soulagement, oui, c'est l'aboutissement de voilà, du depuis le début de saison. C'est un groupe qui a beaucoup travaillé, qui a fait la course en tête pour arriver à ce moment-là, pour atteindre cet objectif qui était fixé par le coach depuis le début de saison. Donc c'est vrai que ce soir, on a satisfaction du devoir accompli. Voilà, on sait que ce fut dur, ce fut long depuis le début du championnat, mais souvent cette équipe a su faire preuve de ressources, et ce soir aussi. Ça a été très compliqué, en plus derrière, on a 3 gagné aussi, donc on savait qu'il fallait s'imposer. Et voilà, malgré un match très difficile, notamment en première mi-temps, voilà, on a su trouver des ressources et pousser, parce qu'on a quand même eu beaucoup plus d'occasions. Voilà, ça ressemblait un peu plus à quelque chose en deuxième mi-temps. Voilà, c'était un peu plus dans l'esprit de ce qu'on voulait, au moins offensivement, en deuxième mi-temps. Mais voilà, les dernières, on le sait qu'elles sont toujours très difficiles à obtenir. Avec une équipe qui joue beaucoup le premier et le deuxième ballon, il a fallu lutter. Et puis voilà, je pense que les entrants ont fait du bien aussi. Voilà, donc plus que le match, voilà, c'est le résultat et l'objectif qui est atteint qui fait énormément de bien à tout ce club et au coach, évidemment. Ça a été mon premier coup de fil. Voilà. Vous l'avez eu ? Oui, ça a été mon premier coup de fil. Qu'est-ce que vous avez dit ? Il m'a félicité. Je lui ai dit merci à toi et félicitations à toi aussi. On s'est félicité mutuellement et puis évidemment un mot pour les joueurs aussi. Pour moi, la vie est faite de rencontres. Hein. C'est Fred qui me disait ça et voilà, je sais où j'étais, il est venu me chercher, et puis là, malheureusement, c'est moi qui me retrouve devant vous, depuis un moment. Mais évidemment, c'est beaucoup de bonheur au quotidien, avec un groupe qui travaille, réceptif, et puis de m'éclater en bossant dur. Voilà. J'en ai déjà connu une aussi, entraîneur adjoint, donc c'est ma 5e, hein, donc j'en ai fait quelques-unes en Ligue 1. Elles sont toutes différentes et elles ont toutes leur place. Elles sont toutes différentes et elles ont toutes leur place. Et voilà. Chacun a son niveau et chacun est différent. Chacune, pardon. C'est la fatigue. Le deuxième objectif, c'est déjà clairement oui, le titre de champion aujourd'hui. J'avais dit qu'on voulait faire les choses dans l'ordre. On voulait monter par nous-mêmes, ce qu'on a su faire ce soir. On a bien vu qu'il fallait monter par soi-même et prendre des points. C'est ce que je vous répétais depuis longtemps. Et à partir d'aujourd'hui, évidemment, aller chercher le titre s'il nous reste assez de force, mais on en a envie, on a un groupe déterminé. Donc, et il y aura le derby dans ces derniers matchs, bien évidemment. Moi, je me projette sur rien, je suis heureux au quotidien et je suis venu ici, je suis arrivé en cours de saison début août, au mi-août, pardon, exactement. Voilà, je suis venu, j'avais envie de retrouver les terrains, de travailler encore, d'apprendre encore aux côtés de Fred Antonetti. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. Plus après, j'étais un peu jeté comme ça. Mais voilà, je savoure. Ça fait la saison passée, les difficultés que j'ai pu connaître font que j'ai un peu de recul sur tout ça. Et même quand j'étais joueur, je fonctionnais comme ça. L'important, c'est d'être heureux. Et ce soir, je le suis.